Des explications claires sur la terre d'Elébou, entretien tenu avec l'adjoint Yalla maire. jege souf si lebu mom ko wax rek ay souf ngay wax quoi parce que lebu ñoom souf rek lañu bëgg mais souf je pense que liñ ci waroon wax wax nañ ko et communiquer biñ ci waroon def def nañ ko parce que dafa mënoon di woon polémique c'est entre donc l'aéroport et dagg xol ba mais leeral nañ ko léegi si télé bu mu def parce que ñi dañ foogoon ne dañu jël donc président dafa joxul lebu yi fële sa dagg xol pour xañ leen fii au niveau donc l'aéroport et ça c'est pas passé comme ça dagg xol ba projet boo xam ne ça n'a rien à voir avec l'aéroport mu jox fa yoof 1000 parcelles jox fa waka 1000 parcelles jox fa ngor 1000 parcelles léegi nag 1000 parcelles yooyu dafa am ay benn ay nit ñoo xam ne dañ toogoon fii ne président dafa leen bëgg a jógloo pour xañ leen fii mais bi ñu rencontré donc la communauté Libou il y a de cela une dizaine de jours fële sa océan ñoo ngi leen l' ensemble des explications pour wax leen les deux projets ça n'a rien à voir avec donc la goxol ba aéroport deux projets différents la donc léegi ils ont compris et que ba def nañ benn commission benn comité technique boo xam ne léegi moo war a wax si wàllu suuf si moo tax léegi ñun bëggatuñu savoir dañu bëgg commission boobu léegi lépp luy wax ñoom ñu wax ko si quoi beneen question yi par rapport ak donc Dakar dañoo seetlu ne par exemple ñun waayoof ñoo jëkk a porté Abdoulaye Diouf Sarr mais tey benn décision génnagul parce que c' est le président a dit parce que ñun tamit dañu respect discipline de parti le président a dit que yéen déglu leen ma commune bu nekk dinaa fa wax ñun de mag ñi génn nañ ñoom ñaan ne donc ñoom daal ñu ngi ñaan président bëgg nañ seen doom nekk candidat mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñun tamit waayoof bëgg nañ tamit suñu doom nekk candidat mooy Abdoulaye Diouf Sarr pour la ville de Dakar parce que toon jox na si exemple léegi parce que gis nañ ne Momadou Diop liggéey bu am solo la fa defoon moo fa nekkee en tant que Lébu bëgg nañ tamit Lébu ñu joxal leen donc seen wàll seen Dakarul bi ñu am loolu moo tax ñun ñu bëgg a porté Abdoulaye Diouf Sarr comme à la d'autre candidat à la mairie de Dakar mais en attendant donc la décision du président parce que président lu mu décider ne kii mooy jiite Dakar ñun dañu discipline de parti ci topp kooku la ñuy jàpp la incha allah rabbi non je pense que amul impact parce que dañ ne nit ki bu fekkee ña nga dénk mën nañ la yoral li nga yor rek donc dina baax Abdoulaye n'a pas ce problème parce que tout ce qui se développe à Yoff moom newu fi mais franchement donc dañuy liggéey et on se voit tous les jours maa moom chaque jour que jëfee dinañ gisee def le point le soir ñu wax lii lañu war a def lee lañu war a di bon amuñu problème boobu distance boo xam ne donc les décisions dinañ ko jël fii au niveau de notre commune ça au niveau de la commune de Yoff amuñu problème boobu wax dëgg yàlla non pour Yoff non maire Dakar moom comme ni ma mais tu peux pas avoir donc la ville sans avoir donc ta commune et que ñun incha allah li ñu liggéey si Yoff yaakaar nañ ne waa Yoff dinañ joxaat la mairie Abdoulaye Diouf Sarr parce que en 2014 non parce que damay ñëw foofu parce que en 2014 lorsqu'on prenait la commune y avait rien au niveau de Yoff je disais l' autre jour que bu njëkkoon boo déggee Yoff dañ naan aéroport rek ñu ne Yoff loolu da la ñu doon dàkkantele pour nga xam lan mooy Yoff mais 2014 à nos jours léegi lu ëpp ville am rek am nañ ko on a le stade de Yoff qu'on va finir bientôt on a le quai de pêche de Yoff qu'on va gérer qu'on a commencé à exploiter on a par exemple on a si une matière de l'éducation su ma ñëwoon wax la on a réfectionné l' ensemble des écoles de Yoff def ay écoles yu bees fii le marché noonu infrastructure yi xam ne moom manqué woon Yoff yëpp avec la reine de Abdoulaye Diouf fa dëgg yàlla xam nañ ne am nañ ko léegi donc waaw actuellement côté inondation xam nga donc dafa am loo xam ne assainissement c' est pas une compétence transférée c' est l' état qui doit le faire mais à notre niveau même état moo koy def on a des projets ñun xaaruñu sax état ñu ngi def assainissement si gox yi xam ne donc ñu ngi def parce qu' on est en train de faire une route à Ndenaat Ndenaat c'est une vieille doléance de 40 ans dañ ko doon laaj et tout ça amuñu woon mais fexe nañ ba tali bi mu ngi fay jaar foofu amul woon tali te tali boobu ànd na assainissement et donc c' est un financement par exemple ba nga xam ne tey commune moo ko toppatoo pour def ko am na loo xam ne xaaruñu si état mais tey ñu ngi koy def malgré que état moo ko war a def parce que boo xoolee comme ni ma assainissement c' est pas une compétence transférée aux communes c' est ONAS moo koy gérer mais ñun tamit lañ si man ñu ngi koy def mais am na ay gox yu des tout si assainissement mais ñu ngi siy jiima def am na benn partie boo xam ne ku daan ñëw Yoff da nga daan gis toujours muy am ndox mooy boor que Sir Ousseynou Lay c' est l' état qui devait le faire mais en partenariat avec la BCAO fexe nañ ba defar foofu loolu tamit ñu ngi xool ay partenaires yu jàppale si l' assainissement quoi par rapport à ça non c'est pas un problème d' apaisement non 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 ñun politiquement socialement faf sur le plan social je dis ñun li ñuy def duñ ko ndamoo wala nàngam mais li ñuy def au niveau de Yoff amul benn commune bu koy def Sénégal
donne l'exemple, nous sommes venus au niveau de 2014, on faisait la passation ici dans le bureau de Oumoukhaïri, on avait trouvé 25 contractuels, ça je le dis devant la télé, 25 contractuels. Actuellement, nous sommes à plus de 500 et quelques contractuels qui sont payés mensuellement, qui sont payés mensuellement au niveau de cette commune, et on touche du bois, amenons un bon salaire par mois, amenons un bon salaire. Moi, je suis passé, le mois dernier, moi, je suis sur juin. On a passé de 25 à 500 contractuels. On a avec des hôpitaux. Il y a pour faire un bon nuit, nous mettons presque 80%. On le fait. On sort des aides tabaski, des aides corrétées, des aides scolaires. Même les chrétiens, nous sommes venus à l'année, c'est l'année qui nous a mis en train de faire. C'est une fête de la vie. On donne beaucoup aux chrétiens. Magal Bougnoy, on donne. Touba, Bédanou Djéhé, Tiwawan, ainsi de suite, ainsi de suite. Les poules frères. Si on a une solution, on a une solution. Mais on a fait mais je dis aux autres que ce n'est pas nous qui organisons. Des mesures prises pour éviter la troisième vague de COVID-19, mieux vacciner pour se protéger, selon Nardien, adjoint maire de Yoff. Le meeting le 4, le meeting du MAC, on l'avait préparé, on avait dépensé. C'était un meeting d'investir les femmes de Yoff. Le 4 passé, je vais expliquer, le 4 passé, le 4 juin, le 4 juillet, c'était les femmes de Yoff qui s'étaient organisées pour faire donc un meeting d'investiture, pour investir donc Ablaye Dussa comme candidat à la commune donc de Yoff. Mais quand les résultats commençaient, on a dit, on cesse ça, parce qu'on ne peut pas concevoir que le maire de Yoff, il est actuellement le ministre de la Santé, mon mot de l'organisation de l'assemblement. Et que jour où l'affaire a commencé, le mercredi passé, on avait 174 cas. On s'est réunis pour dire, malgré qu'on a dépensé beaucoup d'argent, mais on doit donner le bon exemple. Parce qu'on ne peut pas dire que le ministre de la Santé vienne au niveau de organiser un grand meeting de rassemblement et que donc, sous l'affaire est gâtée, on dira que c'est le ministre qui avait, qui avait, qui avait. C'est pourquoi on a dit, table rase, on va y faire des mouillés. Donc, COVID. Non, actuellement, donc. Non, actuellement, je n'ai pas les mesures. Parce que donc, actuellement, nous commençons à avoir de la sensibilisation. Mais nous sensibilisons les gens avec les vaccins. Parce qu'actuellement, tu sais, on parle donc de COVID, est-ce que le vaccin est vraiment aussi? Je ne sais pas si vacciné ou pas. Je suis finalement lancé une campagne de vaccination. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire.